Bon, j'arrête d'être un mytho, ma batterie elle est ultra rouge. Tais-toi, chut. Ma batterie est totalement dans le rouge, mais je vais pas me dépêcher. Je vais tourner cette vidéo comme un professionnel en faisant abstraction de ma batterie qui est totalement faible. Ça, c'est être un bon youtubeur, vous voyez. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de Mike Drop. Mike, c'est pas un prénom à la base, hein, vous cachotiez, hein. Vous chopez des prénoms, vous en faites des sons, c'est n'importe quoi. Bref, on va parler du dernier son des BTS, enfin le dernier MV des BTS, parce que le son il est sorti il y a 1 milliard d'années sur Deezer, Spotify, iTunes et toutes les autres de plateformes de music streaming. J'ai pas le temps de me reprendre, d'habitude je me serais repris, mais là je suis dans le rouge. Allez! Bon, vous allez peut-être me prendre pour un inculte, mais le 12 là, c'est quoi? Et le ETN là, c'est quoi? C'est qui? D'où vient-il? Qui est-il? A-t-il un réel impact sur la politique de la France? Parce que je peux vous dire que sous le règne de Napoléon, ça se serait pas passé comme ça et... Je vais trop loin... Jimmy, tu t'es laissé pousser les cheveux? J'aime bien. Alors là, ils ont l'air totalement désespérés. Cette position des bras, j'ai exactement la même en salle d'attente chez le médecin. Et du coup, ouais, c'est pas trop Jimin, une autre version de Jimin, si vous voulez, à la limite. Donc maintenant les micros ça vole, ok. La production de BTS en termes de consommation de drogue, est-ce que ça va? A votre avis, est-ce qu'il est possible que les BTS fassent en sorte que le bob redevienne à la mode? C'est une question que je me pose, ouais. Ah non mais moi je vous le dis, après ça, il y en a plein qui vont changer de bias pour choisir Suga, c'est clair. Mon bias c'était Jungkook, ah non, ça a toujours été Suga, hein, je suis pas un mytho. Ma caméra est dans le rouge. Alors je juge pas, hein, je trouve ça super stylé, mais on dirait pas qu'ils font de la corde à sauter. Ah bah ça reprend des sports pour faire des chorégraphies, ah bah bravo la France, hein. La Corée. Bon alors, mis à part que Rap Monster sorte d'une ambulance pour être encerclé par la police, si vous voulez que ce genre de truc vous arrive, faut vraiment avoir un parcours social particulier. Bah mis à part ça, ce serait cool un tuto pour sa coiffure. Genre Rap Monster, youtubeuse beauté, tu vois. Ah en fait, Rap Monster, il fait grave la concu à mon bias. En fait, Suga, tu vas peut-être dégager, hein, y'a de la concu là, tu vois, Rap Monster, il devient plutôt sympathique. Je suis un gamin. Alors si ça c'est pas un énorme clin d'œil à Fire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Ça me ferait vraiment super plaisir, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'analyse un autre clip, un autre MV, dites-le moi dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram, Snapchat, Twitter, c'est là que je suis le plus actif. Activez la cloche s'il vous plaît pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.